La délivrance de l'ancien sataniste Bula. D'habitude dans le monde de cimetière lorsqu'on amenait un nouveau cercueil, l'esprit du nouveau venu attendait à côté du cercueil, jusqu'à ce qu'on lui donne tout ce dont il avait besoin pour son installation dans le monde de cimetière, qui est une dimension faisant partie du ce jour de mort. Ce jour-là il y eut trois morts, à côté de ces trois cercueils se tenaient deux esprits qui attendaient leur installation, mais il n'y avait aucun esprit auprès du troisième cercueil. La nuit. Lorsque j'arrivais je trouvais deux esprits au lieu de trois. Cela dépassa mon entendement, surtout qu'aucun des trois cercueils n'était celui d'un enfant et qu'aucun de ces trois cercueils ne montrait les signes qu'il s'agissait d'un esprit errant. Je profitais de la présence du prêtre pour qu'il me fasse la lumière au sujet de ces deux cas précis. Je lui demandais pourquoi les esprits de certains bébés ne viennent-ils pas au cimetière quand ils sont morts, et où est l'esprit de ce troisième personne car son corps est ici mais son esprit ne pas ici. Le prêtre me fit la réponse philosophique que voici. Ces genres d'esprit ne viennent pas ici. En principe, sur cette terre, la vie de chaque homme comprend cinq composantes qui sont, la nourriture, le vêtement, la richesse, l'honneur et la gloire. Les âmes des personnes qui viennent dans le séjour de mort sont celles des hommes qui ont vécu toutes ces cinq composantes sur la terre, tandis que les âmes de ceux qui n'ont vécu que deux ou trois composantes de leur vie pendant leur séjour sur la terre ne viennent pas ici. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans la simplicité et l'austérité pendant leur séjour sur terre. Dans l'espoir de vivre les autres composantes de leur vie chez leur maître. Cette réponse du prêtre au lieu de satisfaire ma curiosité, ne fit que l'exciter davantage. Je voulus savoir qui était leur maître et quel endroit était réservé à ceux qui ne venaient pas ici au cimetière après leur mort. À cette dernière question le prêtre qui était une prêtre catholique ne donna aucune réponse. Pendant ma conversation avec le prêtre se tenait à côté de moi un esprit servant du monde de cimetière. Elle avait tout suivi de mon dialogue avec le prêtre. Elle m'entraîna à l'écart et me dit, Je m'étonne des questions que tu poses au prêtre après tout le temps que tu as passé parmi nous. Est-il donc vrai que tu ne saches pas où est parti l'esprit du troisième cadavre C'est étrange qu'une question pareille vienne de toi. L'esprit du troisième corps ne peut pas venir ici pour la simple raison qu'il est chrétien. Oui, il y a des chrétiens qui viennent ici dans le monde de cimetières et les sejours de mort. Mais ce sont des chrétiens de nom. Les vrais chrétiens ne viennent pas ici. Leur maître ne veut pas qu'ils viennent ici. Il ne veut même pas qu'ils voient l'existence de notre monde du cimetière. C'est pour cela que lorsque ces chrétiens meurent, leur maître envoie des anges pour les chercher. Quant au lieu où ils partent, personne parmi tous ceux qui sont ici ne le connaît. Nous avons eu beau chercher l'emplacement de ce lieu, nous ne l'avons jamais trouvé. Alors nous nous sommes résignés. Sais-tu pourquoi les vrais chrétiens ne viennent pas ici dans le monde de cimetière et les jour de mort? À vrai dire, un vrai chrétien s'il a de quoi se vêtir et se nourrir, cela lui suffit. Il ne cherchera pas la gloire, l'honneur, la puissance, ou encore la richesse. Ce sont ces trois dernières choses qui poussent les êtres humains à se séparer de leur maître et à venir dans le sejour de mort. Quand j'eus entendu ces paroles de cet esprit du monde de cimetière, je fus saisi de peur. Peur de m'être trompé ou d'avoir été trompé par le prêtre catholique. Pour la seconde fois, je posais cette question à cet esprit servant du monde de cimetière, quel est le nom du Maître des chrétiens, et qu'est-ce qui nous attend, nous qui sommes ici dans le monde de cimetière et le séjour de mort, cet esprit servant qui était ma petite amie et sirène de cimetière sourit un peu, puis elle me dit, chérie, tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas ce qui nous attend, nous tous qui sommes ici. Excuse-moi pour l'oubli, mais le nom du Maître des chrétiens est le roi de tous les esprits de toute chair, à sa venue quand il viendra pour juger les vivants et les morts. Il nous condamnera, nous tous qui sommes ici, et il nous jettera dans un étang de feu éternel. C'est connu de tous les esprits au service de Satan, c'est pourquoi tu nous vois vivre dans l'opulence, car nous n'avons plus rien à perdre ni rien à gagner. Notre sentence est déjà tombée, nous n'attendons que son exécution. Alors en attendant, nous nous amusons bien pendant ce sursis. À ces mots, je me souvins de ce que me disait souvent mon prêtre, à propos de ce qu'il adviendrait de mon esprit après ma mort. Jamais il ne m'avait parlé de jugement dernier ni de condamnation. Une colère froide inonda mon âme à l'encontre de mon professeur, le prêtre polonais. J'éprouvais pour lui une haine terrible. J'oubliais tous les bienfaits qu'il m'avait accordés. Le roi de tous les esprits était donc Jésus. Ces paroles du troisième de mon Montfelsbus me revinrent à l'esprit. Je me dis que ce que j'avais lu quelque part dans la Bible était donc vrai. Il ne m'était plus permis d'en douter. D'ailleurs, à quoi cela servirait-il encore de douter ou de nier l'existence de Dieu et de Jésus-Christ, puisque la source dont me parvenaient ces vérités n'avait aucun intérêt à me mentir Tout mon corps tressaillit de la peur que j'avais ressentie. Je craignais que les autres sachent que j'avais enfin découvert ce qu'ils me tenaient caché depuis longtemps. Cette nuit-là, je pris la décision d'abandonner la magie et toutes ses pratiques, quelles qu'en soient les conséquences. Il fallait d'abord que je sorte de la dimension de cimetière. Je fis semblant de travailler comme d'habitude, sans laisser personne pénétrer mes pensées. Le matin, vers 4 heures, je me rendis au lieu où se trouvait la sortie, et je récitai la formule incantatoire appropriée, pour la fermeture du monde invisible et l'ouverture du monde visible. Le monde féerique disparut pour laisser la place aux croix du cimetière plantées dans le sol. La rosée avait détrempé la végétation, et l'ombre de la nuit s'en allait, faisant ainsi place à un jour nouveau. Je suis enfin sorti du monde de cimetière, je décide d'abandonner la magie, je savais que je devais mourir si je mettais fin à la pratique de la magie. La mort ne me faisait pas peur pour autant. Mon désir profond était désormais qu'après ma mort mon âme n'aille pas au cimetière pour attendre la condamnation éternelle, mais plutôt qu'elle aille à l'endroit où l'esprit du troisième corps était parti. Je ne voulais pas qu'après ma mort mon âme soit la risée de mes anciens partenaires, de ceux pour qui j'étais un traître. Mais pour que mon âme soit auprès du roi de tous les esprits, il fallait que je devienne un vrai chrétien, pour que Jésus envoie ses anges chercher mon âme après ma mort. Pour devenir un vrai chrétien, il ne fallait pas que j'aille trouver mon prêtre le prêtre catholique polonais, car il m'avait déjà donné son point de vue sur Dieu. À mon retour du cimetière, je partis trouver un pasteur. Je racontais à ce denier tout ce que j'avais fait dans le domaine de la magie, et tout ce qui m'attendait après avoir tout dévoilé à un non-pratiquant. Je ne lui ai pas caché ce qui m'avait poussé à abandonner la magie, car je voulais devenir un vrai chrétien. Il fallait que ce pasteur me dise comment faire, puisque mon prêtre ne le savait pas. Le pasteur, bien qu'étonné et surpris de tout ce qu'il entendit de ma bouche, ne m'interrompit pas pourtant. Ce n'est qu'à la fin de mon récit qu'il me conseilla d'accepter le Seigneur Jésus dans mon cœur comme mon sauveur personnel, et d'aller remettre au prêtre catholique tous les soi-disant pouvoirs et protections en ma possession. Il termina en me disant Tu ne mourras que si Jésus-Christ le veut. Ma confession chez le pasteur avait pris assez de temps. Je retournai un peu tard chez le prêtre par rapport à d'autres jours. À la maison, je retrouvai le prêtre assis dans le salon avec l'air inquiet. Visiblement, il m'attendait, car lorsque j'entrai, il me demanda aussitôt Où étais-tu passé Je t'ai cherché partout après notre conversation, pour te parler de certaines choses que tu m'avais demandées, mais je ne t'ai plus revu Où étais-tu passé Parle. Je t'écoute, mon fils. J'ai répondu au prêtre en disant, Mon père, depuis plus de dix ans je suis à vos côtés. J'ai cru à tout ce que vous m'avez dit, sans arrière-pensée, car je vous ai toujours considéré comme mon père. Mais depuis un certain temps j'ai commencé à remarquer certaines contradictions entre ce que m'avait confirmé comme vrai, et la réalité que je vivais. Mon père, vous m'aviez remis une protection en disant qu'elle me protégerait contre tout ennemi visible ou invisible, et pourtant, j'ai été paralysé par les cris d'un jeune homme qui avait seulement prononcé un simple nom de Jésus Christ, ce nom dont vous niez l'existence, en voulant que je fasse de même. Je vous ai longtemps cru et respecté, mon père, malgré mes propres expériences qui contredisaient vos affirmations. Hier encore, je voulais éclaircir deux points pour lesquels mon raisonnement ne trouvait pas de solution adéquate, mais votre silence n'a fait que confirmer mes doutes. Suite à votre silence et grâce aux réponses données par un esprit servant dans le monde de cimetière qui se tenait à mes côtés, cet esprit m'y informa qu'un jugement aura lieu, et tous les esprits du monde invisible au service de Satan, y compris les initiés, seront jetés dans le tank de feu. Vérité que vous m'avez cachée, il fallait un esprit pour que j'apprenne cette vérité. J'ai donc décidé d'abandonner la magie et de suivre Jésus, quelles que soient les conséquences. C'est pour que je ne vous lâche pas que vous m'avez longtemps caché la vérité. Vous me l'avez caché de peur que je vous abandonne le jour où je la découvrirai. Maintenant que je connais la vérité, je ne vois pas ce qui me retient ici, ni ce qui m'empêche de vous quitter. Cher prêtre, je viens donc vous remettre toutes mes protections et tous mes pouvoirs, pour ne suivre que Jésus-Christ. Je désire qu'à ma mort mon âme ne retourne plus au ce jour de mort. Je veux maintenant suivre Jésus pour qu'à ma mort il vienne me prendre et m'emmène à l'endroit que personne d'entre vous ne connaît. Excusez-moi mon père, je dois vous quitter. Et je dois quitter la magie. Je suis allé voir un pasteur ce matin et il m'a conseillé de tout vous remettre, protection et pouvoir, afin de devenir chrétien. C'est pourquoi je vous donne cet objet. L'objet en question était un petit flacon contenant un liquide visqueux. À l'intérieur de ce liquide se trouvait une sirène des eaux miniatures, mais qui était vivante. Une mamivata est une sirène ou esprit des eaux. Le prêtre m'avait très bien suivi. Il bougeait parfois à la tête concernant certains points que je lui disais. Pour toute réponse, il me dit, Ce n'est plus à moi que tu dois remettre tes pouvoirs et tes protections, mais bien à la sirène de l'océan Indien, la déesse Maharashthi de l'Inde, c'est avec elle que tu as signé le contrat t'obligeant à travailler toute ta vie. Alors si tu tiens réellement à abandonner la magie, va trouver la déesse, tu connais le chemin et le moyen d'y parvenir. Si je peux encore te conseiller quelque chose, avant d'aller trouver la déesse, donne-toi un temps de réflexion. Si tu changes d'avis. Viens me voir et nous parlerons encore. Mais si tu tiens réellement à abandonner la magie je te rappelle que tu mourras jeune et pauvre, dans mon excitation d'abandonner la magie, je n'avais pas réalisé toutes les conséquences graves de la réponse de ce prêtre polonais. En d'autres termes je n'avais pas réalisé le risque que je prenais en me hasardant à aller dans l'univers de la déesse Maharachati dans l'océan indien pour lui remettre mes pouvoirs. Après réflexion je me suis dit que ce serait un suicide de ma part. Je voyais mal la déesse. Après que j'ai cassé le contrat qui me liait à elle venir me redéposer sur la terre à l'endroit où j'étais entré dans son royaume pour que je retourne sain et sauf dans notre monde. Alors que je faisais ma valise pour déménager de la maison du prêtre, l'idée me vint de ne pas voyager au royaume sous-marin au pays de la déesse Marachati, mais d'aller plutôt invoquer le docteur Kalash Peiba qui est le dieu de l'Inde, dans un cimetière situé non loin de la cité. Ce choix d'un cimetière situé non loin des habitations était conditionné par la peur. J'avais peur qu'après avoir remis tous mes pouvoirs et protections, qu'on ne m'interdise la sortie, alors mon corps serait quand même retrouvé le matin par les passants au cas où l'on me tuerait. Je me disais encore qu'au cas où il voudrait me faire du mal, je pourrais crier au secours et être secouru par les passants. J'avais peur. Je déménageais de la maison de ce prêtre pour aller m'installer chez le pasteur, en attendant que ma vie se normalise. J'avais à présent terminé mes études et je détenais un diplôme d'ingénieur technicien en agronomie générale. Je n'avais pas encore songé à travailler ni à chercher un emploi quelconque. Il était temps que je le fasse alors. Puisque je devais partir le soir au cimetière pour rendre mes pouvoirs, il me fallut passer tout l'après-midi à écouter la bonne parole de Jésus que me dispensa le pasteur. Il insista beaucoup pour que je remette à qui de droit tout ce qui me reliait encore au monde de ténèbres d'où je venais. Le soir du même jour, je me rendis dans un cimetière situé non loin de la cite. Dans l'espoir de réaliser le plan que j'avais soigneusement conçu au cours de la journée. Arrivé au cimetière, j'invoquai le docteur Kalach Payeba, qui est la divinité indienne. Dans le passé, quand nous l'invoquions, ce démon manifestait sa présence par l'apparition d'une lumière lointaine qui grandissait au fur et à mesure qu'il approchait. Contrairement à sa manière d'apparaître habituelle, le docteur m'apparut cette fois en planant. Il se présenta en disant, je suis le docteur Paye Payeba, dieu de l'Inde. Et voici, je marche dans les airs comme Dieu. À mon tour, je me présenta, et je lui dis Je viens de la part de mon prêtre. J'ai abandonné la magie et toutes ses pratiques. Je viens donc remettre mes pouvoirs et mes protections. J'enchaînai en lui remettant ceci. Après les avoir récupérés, cette divinité me dit Est-ce là l'unique raison de ta visite, ou as-tu autre chose à dire Je lui répondis Je veux récupérer mes cheveux et la poussière de mon talon droit. Le dieu indien me dit Va dans le bâtiment numéro 2, deux, au deuxième niveau, regarde dans le tiroir de la deuxième chambre à gauche, et tu trouveras tout ce dont tu parles. Je partis et je récupérai mes objets. J'éparpillai la poussière et je brûlai les cheveux, je retournais ensuite auprès de la divinité indienne. Il me dit, cest -ce tout Je lui répondis, c'est tout docteur. Il me dit c'est bien, mais tu sais ce qui t'attend Tu connais bien les lois. Je te préviens que demain à 12h tu mourras. J'ai rétorqué à ce divinité indien. Je mourrai si Jésus-Christ le veut. Sur ce, je pris congé de lui et je partis. Sur le chemin du retour, je croisai un groupe compact des esprits servants. Ils m'interdirent le passage disant que le dieu indien le docteur Kalash Payba voulait me voir pour un dernier entretien. Sans faire attention à ce qu'ils disaient, je leur demandai de me laisser le passage. Au nom de Jésus-Christ, sur ce, ils s'écartèrent tous, et je passa au milieu d'eux. La Bible dit, Crois seulement mon fils, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Acte 16h31. Je prise un camion pour ma sous-région natale où résidaient mes parents. Et donc toi aussi, que tu sois magicien, féticheur, assassin, voleur, ivrogne, que sais-je encore, crois et viens à Jésus-Christ tel que tu es, et il te sauvera comme il l'a fait pour moi. Arrivé chez le pasteur, je lui racontai tout mon entretien avec le docteur Kalash Payeba. Dieu de l'Inde le pasteur m'encouragea et remercia même le Seigneur pour moi. Personnellement, je n'étais pas convaincu de l'efficacité de la prière, en ce qui concernait les menaces du Dieu de l'Inde. C'est pourquoi je demandais au pasteur de me remettre une somme d'argent me permettant de me rendre à Yangambi, où résidaient mes parents. Je lui dis que je ne voulais pas mourir loin de ma famille. Le pasteur, après m'avoir exhorté à croire seulement au nom de Jésus Christ pour être sauvé, me remit la somme d'argent nécessaire pour mon transport jusqu'à Yangambi. Il m'accompagna jusqu'à l'endroit où l'on emprunte le moyen de transport pour Yangambi. En cours de route, il ne cessait de me répéter Tu ne mourras pas, le Seigneur Jésus t'aime. À Yangambi, en dehors de quelques étudiants qui avaient assisté aux démonstrations magiques que je faisais en plein air à Kizangani, personne ne pouvait soupçonner mes activités mystérieuses. Ma conscience ne me reprochait rien vis-à-vis -vis de mes parents. En effet, ils savaient que je faisais mes études à Kizangani, et que l'un de mes prêtres me logeait. Parfois, lorsque j'étais encore avec la sirène Hélène, je leur avais envoyé de petites sommes d'argent, tout en leur faisant comprendre que j'étais sans emploi. En réalité, je ne voulais pas éveiller leur attention en leur donnant de grosses sommes d'argent. Donc mon arrivée à Yangambi fut tout à fait normale à leurs yeux. Je fus bien accueilli, les voisins vinrent me dire bonjour. J'éprouvais un peu de chagrin à l'idée que toutes ces personnes chères me manqueraient pour de bon si je mourais aux mains du Dieu de l'Inde après douze heures, c'est-à-dire après ma mort. À douze heures moins cinq, je leur dis que je me retirais dans ma chambre pour me reposer. En réalité, je ne voulais pas mourir en présence de mes parents. Avant de m'étendre sur le lit, je fis cette prière, Seigneur Jésus, c'est pour te rejoindre que quitte toute ma gloire, toute ma richesse et tout mon bonheur. Maintenant que je vais mourir, je te demande une chose, Seigneur Jésus, je voudrais que mon âme ne parte pas au cimetière dans le séjour de mort d'où je viens. Envoie tes anges récupérer mon âme pour que je ne sois pas la risée de ceux que j'ai quittés, de ceux que j'ai abandonnés pour te suivre. Je souhaite que mon esprit aille à l'endroit où l'esprit du troisième cadavre du cimetière est parti. Pardonne mes péchés et prends soin de mes parents, Amen. À douze heures, je sentis une faiblesse envahir mon corps. Tout mon corps ainsi que la chambre où je me trouvais, Fus inondé d'une forte odeur de parfum. Je me dis que la divinité indienne avait tenu parole. En effet, plus de dix ans passés au service des démons m'avaient donné une certaine connaissance de leurs mœurs. Par exemple, lorsque je vivais avec la sirène Hélène, et que je prenais un bain, j'utilisais des bidons de parfum au lieu de l'eau. D'où venaient-ils? Je ne sais pas. Ainsi lorsque je sentis l'odeur du parfum, je me dis qu'ils étaient là. Puis je perdis connaissance, à 16 heures je repris connaissance. Je constatais que je n'étais pas mort. Quelques instants après, j'étais paralysé, c'est-à-dire que les articulations de mon corps ne répondaient plus convenablement à ma volonté. J'avais perdu la mémoire. Je ne savais plus calculer un plus un, ni comment je m'appelais. Je ne savais plus m'exprimer convenablement. Je ne pouvais plus me tenir sur mes jambes plus de cinq minutes sans tomber ou perdre l'équilibre, bref, j'étais devenu retardé mental. Mes parents ne comprirent pas ce qui m'était arrivé. Moi, par contre, je le savais. Mais je n'étais pas en mesure de le leur dire. Dans leur précipitation, ils emmenèrent chez des guérisseurs pour me venir en aide. Pendant deux semaines, je suivis ce traitement indigène sans succès. On me faisait des incisions dans la peau du cou, des reins, du visage, du ventre, et des poignets, à l'aide de lames de rasoir, tout en y frottant avec les doigts des substances noires en poudre. Je suivis ce traitement sans qu'il y ait une quelconque amélioration de mon état de santé. Il m'arrivait parfois de retrouver la mémoire pendant un intervalle de temps limité. Un jour, dans un moment de lucidité, je dis à mes parents, ce traitement indigène dont je suis l'objet ne m'est d'aucune utilité. Ce sont des esprits qui sont responsables de ma condition actuelle. Ces féticheurs ne peuvent rien contre des esprits. Ils sont tous au service d'un seul et unique maître. Menez-moi plutôt à l'hôpital afin que j'aille mourir, au lieu d'abîmer mon corps par ces incisions inutiles. À quoi bon toutes ces dépenses? Le lendemain, mes parents m'amenèrent à l'hôpital à Yangambi. Les médecins, après m'avoir examiné, diagnostiquèrent des palpitations cardiaques. Ces médecins conclurent donc que je me rétablirai après deux semaines de traitement. Mes chers frères et sœurs, au lieu des deux semaines prédites, je restai deux ans à l'hôpital, pour n'en sortir que les pieds devant. Deux ans de privation et de souffrances atroces. Outre mon isolement et mes souffrances, il y avait aussi le problème de mon alimentation. En effet, cet an passé à ne me nourrir que des aliments préparés au cimetière avait conditionné mon estomac. Je vomissais tout aliment préparé que je voulais avaler, ou bien il me causait la diarrhée. Je fus donc obligé de renouer avec mon ancien régime alimentaire, qui consistait à ne manger que des aliments crus. Lorsque j'étais encore chez le prêtre. Il m'était facile de suivre ce régime. Mais me permettre un tel régime dans un hôpital à Yangambi était un luxe, que mes moyens ne pouvaient satisfaire. C'est ainsi que je pouvais passer trois à quatre jours à jeûne, sans que personne ne m'apporte quoi que ce soit à manger. Je ne condamnais pas mes parents pour ce manque de nourriture. Je les comprenais. D'abord, ils n'étaient pour rien dans ce qui m'arrivait. Ensuite, les aliments qu'ils devaient m'amener étaient rares sur le marché. Enfin, la distance qui séparait l'hôpital de la maison était aussi pour beaucoup dans cette privation. Je les comprenais donc. Mes petits frères qui devaient m'amener la nourriture se fatiguaient aussi. Alors, il priait demandant au Très-Haut de me guérir ou de m'ôter la vie, car le fait que je demeure dans cette condition ne satisfaisait personne, sauf Satan, bien entendu mon ancien patron. Je n'avais pas peur à l'idée de mourir. Ce qui me tourmentait était l'idée qu'après ma mort mon esprit puisse retourner au cimetière. Pour mettre fin à ce calvaire, je décidai de me suicider. Mais, me rappelant la condition des suicides au cimetière, je refusai d'exécuter ce que j'avais personnellement envisagé d'accomplir. Je préférais plutôt le réaliser par t'entremise d'une autre personne. Je demandais une fois à un infirmier de mettre fin à mes jours, par exemple en dépassant la dose de médicaments, ou tout simplement en m'empoisonnant. Sur le moment, l'infirmier ne répondit rien. Deux jours après, il vint se mettre au chevet de mon lit, et me tint ce discours. L'acte que tu m'as demandé de commettre à ton égard est une ignominie dans le domaine de la médecine. Aucun docteur, aucun médecin. Aucun infirmier au monde ne pourra accepter de commettre l'acte que tu me demandes de commettre sans encourir des poursuites de la part de l'ordre des médecins. D'ailleurs, il serait rayé de l'ordre des médecins, et ne pourrait plus exercer sa profession de médecin. Moi je savais que c'était Satan qui me faisait souffrir ainsi, pour me prouver qu'il n'était pas facile de l'abandonner. Un jour j'étais assis dans la véranda, le dos appuyé contre une colonne. Je remarquai que le monde où je me trouvais se mit à me fuir. En d'autres termes, les images et les sons s'éloignaient de moi et revenaient. Lorsqu'ils s'éloignaient, tout devenait plus petit et les sons devenaient inaudibles. Ce phénomène dura au moins pendant dix minutes puis tout redevint normal. J'en informai mon infirmier. Ce dernier me dit aussitôt que c'était la mort qui venait et que si j'étais croyante, il était grand temps pour moi de prier ou de confesser mes fautes. Contrairement à son attente, elle me remplit tellement de joie qu'il ne pouvait pas se l'imaginer. Je me dis qu'enfin j'allais mourir que la souffrance et l'isolement étaient finis, ainsi que la maladie et les tourments, et que j'allais enfin voir Jésus. J'allais le voir face à face, lui, le roi de tous les esprits, lui qui était tellement craint par les démons et les esprits au service de Satan, lui, qui est le Tout-Puissant. J'avais froid et je sentis en moi un affaiblissement total envahir tout mon être. J'étais couché sur mon lit de malade. Il y avait un jeune garçon qui était venu rendre visite à un parent malade. Je lui dis d'aller aussi prévenir les miens de la gravité de mon état, et j'ajouta, je sens que la mort t'approche. Je vais mourir. Je le sens, et, d'ailleurs, les médecins me l'ont affirmé. Toi par contre va prévenir mes parents et dis-leur de se dépêcher, car ce sera leur dernière visite. Ils ne pourront plus revenir ici après ma mort, sinon pour transporter mon cadavre et l'enterrer. En mourant, je mets ainsi fin à leur tourment. Dis-leur que je ne leur en veux pas de mourir si jeune. Ce n'est pas de leur faute. Eux, ils m'ont envoyé faire des études, et moi, parce que je voulais m'enrichir vite, j'ai tâté à la magie. Je n'ai qu'un seul regret en ce qui les concerne, je meurs comme un chien. Je meurs comme quelqu'un qui n'a pas de famille, sans personne à côté de moi pour me fermer les yeux après ma mort. Je meurs affamé, depuis cinq jours, personne n'est venu me voir, et je n'ai rien mangé. Dis-leur que je ne leur en veux pas. C'est de ma faute, va et répète-leur tout ce que je t'ai dit. Attendri par ce discours lugubre, le jeune garçon se mit à pleurer. Il refusa de partir, me disant qu'il préférait attendre que je meure, pour qu'il me ferme les yeux après, et qu'ensuite, il partirait faire la commission. Mais je refusai catégoriquement sa proposition. Pour le convaincre, j'ajoutai « Fais vite. Peut-être que si tu te dépêches, ils pourront venir me trouver encore vivant, et ainsi je pourrai leur dire ce que je n'ai pas eu le courage de te dire. Fais vite. Rassurez. Le jeune garçon s'en alla, mais il était triste. Quelques heures après le départ du jeune homme, j'éprouvais des sensations bizarres dans mon corps. Allongé sur mon lit dans la chambre où je me trouvais, je vis le ciel descendre à une vitesse vertigineuse, et me couvrir les yeux. Je répète que je me trouvais dans la chambre de l'hôpital. Je tournais les yeux de gauche à droite pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, mais partout où je tournais la tête, je ne voyais que le bleu du ciel. Pas le noir de la nuit, mais le bleu du ciel. Ma vue était partie, quelques instants plus tard, les sons s'éloignèrent. Je sentais les bruits qui étaient autour de moi s'éloigner petit à petit, jusqu'à disparaître complètement, aucun son ni bruit ne m'était plus audible. J'en conclus que j'étais devenu sourd. Louis était parti à son tour, je n'étais pas aveugle, si pourtant je ne voyais que la couleur bleue. J'étais sourd. Je ne voyais rien et n'entendais rien de ce qui se passait autour de moi, mais je sentais tout ce qui s'y déroulait. J'étais donc encore conscient. En quelque sorte. Un moment après, je constatai que mes mâchoires pesaient tellement lourds et n'obéissaient plus à la force de ma volonté pour s'entrouvrir ou se refermer. Je ne pouvais plus parler ni faire sortir un son quelconque. Pourtant, mon cœur battait toujours et je respirais, bien qu'avec peine, mais je respirais quand même. La parole était partie, puis je sentis tout à coup un froid glacial pour ne pas dire mortel, m'envahir et saisir mes orteils et mes doigts. À partir des orteils et des doigts ce froid gagna progressivement tout mon corps, et convergea vers le cœur. Chaque membre de mon corps traversé par ce froid devenait insensible, comme s'il n'existait plus. Il me devint alors impossible de bouger, même un petit doigt. Tous les membres de mon corps étaient devenus trop lourds et ne m'obéissaient plus. Le toucher venait de partir, puis vint le moment critique, moment atroce que traversait tout être né de femme. Les battements de mon cœur résonnaient en moi avec une grande amplification. À la manière d'un marteau sur l'enclume d'un forgeron, la séquence des coups devint irrégulière. L'intervalle entre coups et le suivant s'élargissait de plus en plus. J'eus peur et je voulus crier, je voulais crier pour demander de l'aide, appel au secours. Mais la voix ne sortait plus de ma gorge. Je voulais appeler un prédicateur de la bonne parole, le pasteur pour me baptiser, je voulais même faire une courte prière, mais les idées ne me venaient plus étaient trop tard, tout était embrouillé dans ma tête. Je souffrais et ma souffrance augmentait de plus en plus. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'ai pleuré, regretté ma vie, surtout ma jeunesse. Je me dis que c'était ma faute si je devais souffrir ainsi. Pourquoi avais-je cherché à m'enrichir? Pourquoi avais-je cherché la puissance et la gloire en ayant recours aux moyens malhonnêtes? Pourquoi avais-je suivi aveuglement les enseignements du prêtre? Pourquoi avais-je pratiqué la magie? Maintenant, je devais mourir prématurément, jeune et pauvre. Alors que ceux de mon âge vivaient encore, bien que pauvres mais quand même vivants. Maintenant je devais payer le prix, mais quel prix? Une douleur intense m'étreignit le cœur. On aurait dit qu'un chirurgien mystérieux, mieux encore, qu'un boucher coupait à vif à l'aide de ciseaux une région située au centre du cœur. À chaque coup de ciseaux la douleur augmentait d'intensité. À chaque coup j'inspirais une grande bouffée d'air. J'inspirais de l'air en grande quantité, mais mes poumons ne s'emplissaient jamais. On aurait dit qu'ils étaient troués et laissaient passer l'air sans le retenir. Nous savons tous que la respiration consiste à inspirer de l'air frais et à expirer l'air déjà traité par les poumons. Mais moi, je ne faisais qu'inspirer, alors que mes poumons ne me permettaient pas d'expirer, à chaque nouveau coup, la douleur devenait de plus en plus aigle, et j'inspirais à présent de bien plus grandes bouffées d'air que les fois précédentes. Bien chers frères et sœurs, c'est à ce moment précis que tout homme a besoin de son créateur. D'ailleurs, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, puisque vous êtes déjà né. Vous mourrez donc un jour, et vous passerez par cette expérience pour vérifier sa véracité. Je n'arrive peut-être pas à trouver les termes appropriés, mais les choses sont ainsi. C'est à ce moment-là que tu désireras connaître ton Dieu, toi qui ne l'as pas encore connu, et qui t'obstines à l'ignorer. Enfin, le dernier coup de ciseau coupa ma dernière tranche. Tout l'air contenu dans mes poumons sortit et j'expirai. J'étais mort. Quelques secondes après que mes poumons aient rejeté tout l'air qu'ils contenaient, je me vis me lever et me mettre sur mon lit, de sorte que mes pieds touchaient le sol. À côté de moi, sur l'autre lit, je remarquai une personne qui se levait aussi de son lit. Cette personne voulut savoir si j'étais prêt pour le voyage. En effet, il me semblait que je devais faire un certain voyage, mais pour aller où je ne savais pas. Alors je lui répondis par l'affirmative. Mon nouveau compagnon et moi, nous descendîmes de nos lits respectifs. Et nous nous dirigeâmes vers la sortie. Tout en nous éloignant, je jetai un coup d'œil à l'endroit que je venais de quitter. Sur le lit, je remarquai une forme allongée et recouverte d'habits. Je ne reconnus pas cette forme comme étant mon ancien corps, puisque j'en avais un autre, et que je n'étais pas fou non plus. Nous descendîmes donc des lits et nous nous dirigeâmes vers la sortie, dans le but de trouver un moyen de transport pour nous amener à la destination. Je précise que cette destination nous était inconnue jusqu'alors. Nous partîmes nous installer de l'autre côté de la route qui passait par là, une voiture blanche vint s'arrêter à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvions. Le conducteur en descendit et nous demanda si nous avions aperçu deux personnes avec des paquets en main, et il ajouta, Le roi m'envoie chercher deux personnes qui en principe devaient se trouver à cet endroit. Mon ami et moi répondîmes avec empressement qu'il s'agissait bien de nous. Le conducteur nous dévisagea un instant sans rien dire, nous rentra dans sa voiture et partit. Après le départ de la voiture, notre attention fut attirée par un groupe de personnes qui venaient en faisant beaucoup de bruit, se tenant la poitrine tout en se lamentant. Sans faire cas de notre présence, je ne savais pas que nous étions morts et que c'étaient les membres de nos familles qui pleuraient pour nous. Ils nous dépassèrent et entrèrent dans la salle d'hôpital d'où nous étions sortis. À l'intérieur, ils firent encore plus de bruit que dehors. Regroupés autour des deux lits, ils s'affairaient tout autour en se lamentant encore davantage en regardant les deux formes allongées sur des lits. Vu que le bruit qu'il faisait nous exaspérait, je m'approchai de l'un d'eux pour qu'il m'explique la raison de tout ce vacarme. Je le touchai et lui demandai la raison de tout ce bruit, mais il ne tourna même pas le regard dans ma direction. Je l'ai abandonné pour aller trouver un autre, toujours du même groupe. La réaction de cette deuxième personne fut identique à celle de la première. Je voulais contacter une troisième personne, lorsque mon compagnon intervint pour me dire de laisser tomber. Il ajouta. Ne vois-tu pas qu'ils ne peuvent ni nous voir, ni nous sentir, ni nous entendre Je lui dis, s'ils ne peuvent ni nous voir, ni nous sentir, ni nous entendre, c'est que nous sommes morts. Cette déduction mit mon compagnon mal à l'aise et vexé. Il me dit, nous ne sommes pas morts et nous ne mourrons jamais, du moins en ce qui me concerne. Je suis vivant et je ne mourrai pas. Voyant le ton de sa voix et le calme avec lequel il s'exprimait, je ne pouvais plus douter. Convaincu, je me tuais et revins prendre ma place au bord de la route à côté de lui. Un peu plus tard, les personnes en question s'éloignèrent de l'hôpital en emportant deux colis. Un long moment passa sans qu'aucun incident ne vienne troubler notre quiétude. Puis vint un autre véhicule, un bus cette fois-ci, qui s'arrêta tout près de l'endroit où nous nous trouvions. Le conducteur sans sortir de son véhicule nous posa la question de savoir s'il s'agissait bien de nous, et si nous étions les deux passagers qu'on lui avait ordonné de ramener à bord de son véhicule. Notre réponse fut affirmative. Étonné de notre réponse, il s'en alla déçu. Le silence fut rompu par une voix qui provenait d'au-dessus de nous, et qui disait ⁇ Femme chrétienne Femme africaine chrétienne !⁇ Levant nos yeux dans la direction d'où provenaient les voix, nous aperçûmes un grand navire, un bateau qui naviguait dans l'espace. Les passagers du bateau étaient des femmes noires, toutes coiffées de mouchoirs blancs. Sur le bateau était fixé le drapeau de Jésus-Christ, lorsqu'elles nous aperçurent, ces femmes agitèrent leurs mouchoirs dans notre direction, et entonnèrent une mélodie dont voici le texte. Le drapeau de Jésus flotte et nous montre le chemin du ciel. Nous restâmes à contempler le bateau qui disparut avec ses passagers dans les nuages. Nous répondîmes à leurs salutations en agitant nos mains. Longtemps après que le bateau ait disparu, je posai cette question à mon compagnon. Mon cher, toi qui dis que nous ne sommes pas morts, as-tu déjà vu un bateau naviguant dans les airs Moi pas encore. Ce n'est qu'ici que je vois des choses pareilles. Ensuite, as-tu entendu les paroles de la chanson des femmes qui nous saluaient dans le bateau tout à l'heure Le drapeau de Jésus nous montre le chemin qui mène vers le ciel. As-tu jamais entendu cela autre part Toi qui prétends ne pas connaître la mort, après avoir souri de l'air de quelqu'un qui s'apitoie, il me dit, Si toi tu penses que tu es mort, moi je ne le sais pas, mon cher, mais ne veux-tu pas que nous parlions d'autre chose s'il te plaît, car je ne sais pas de quoi tu parles. Et je ne tiens pas à te l'expliquer en tout cas. Je me sentis ridicule devant l'attitude de mon ami. À chaque réponse qu'il me faisait, je sentais l'inutilité mon insistance. Alors je me tus, et je me résignais pour ne pas lui causer de soucis par mes questions. Un grand bruit nous fit sursauter, c'était un grand engin volant. Je le nomme avion pour une meilleure compréhension, mais en réalité, ce n'était pas un avion. L'avion en question vint donc se poser à quelques mètres de distance de l'endroit où nous nous trouvions. Le pilote sortit de sa cabine et fit signe à mon ami de prendre place à bord. Ce dernier ne se fit pas prier deux fois. Il entra sans protocole. Je m'apprêtais aussi à entrer, lorsque je vis la porte me claquer au nez. Le pilote à l'aide d'un microphone me dit qu'il n'avait pas reçu d'instructions précises à mon sujet. Il me dit qu'il fallait attendre la décision du roi qui devait passer d'un moment à l'autre à cet endroit précis. À l'intérieur de l'engin, mon compagnon suivait mon plaidoyer avec le pilote. Soudain, une forte voix se fit entendre, le roi. Tout à coup, le roi apparut. Son corps était transparent comme du cristal, c'est-à-dire que nos regards pouvaient traverser son corps sans peine, et voir distinctement les objets qui se trouvaient de l'autre côté. Il était beau et avait la stature d'un homme normal. Quelqu'un sortit de l'avion en tenant à la main un document, dans lequel il y lut toute ma vie passée. Il y décrivit toutes mes actions, depuis le jour où j'étais devenu conscient. Jusqu'au moment où j'avais envoyé le jeune homme prévenir ma famille à l'hôpital. Le roi suivit tout sans dire un mot, puis, à la fin, il fit un signe négatif de la tête. Il ne prononça aucune parole, puis il disparut. Au même instant, l'avion décolla en emportant mon compagnon. Alors que ce dernier s'en allait, un grand chagrin envahit mon cœur. Je restais seul, abandonné. Ce sentiment d'isolement me fit si mal que j'eus envie de pleurer. Mais, tout à coup, J'entendis une voix lointaine qui disait ⁇ Jésus-Christ, juge des morts ⁇ Cette voix s'approcha de moi et s'amplifia de telle manière qu'à la troisième fois je sentis comme si mes tympans éclataient. N'y tenant plus, et dans un ultime effort, je me réveillai. J'étais donc revenu à la vie. Lorsque j'ouvris les yeux, la première chose que je remarquai furent les rameaux de palmiers qui pendaient au-dessus de ma tête. Lorsque je tournai la tête autour de moi, il y eut instantanément deux mouvements dans la foule qui était autour de moi. Ceux qui étaient tout prêts s'enfuirent se sauvant loin de moi, alors que ceux qui étaient éloignés s'approchaient pour voir pourquoi les autres fuyaient. Il y eut donc deux mouvements simultanés. L'heure était à la contemplation et à l'admiration. Personnellement, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Il y avait plusieurs personnes autour de moi. Parmi elles, je reconnus certains visages. À ma gauche, il y avait un cercueil avec tous les éléments prêts pour une inhumation, il y avait des draps bien blancs, des oreillers, et une partie de mes habits. Je portais un costume que je ne rappelais pas avoir déjà porté. J'avais au pied des chaussettes blanches, et des gants blancs aux mains. Tout sentait le parfum. Le flacon était d'ailleurs déposé au bord du cercueil. Il était près de quatorze heures lors que je revins à la vie. Des bougies brillaient aux quatre coins du cercueil. Lorsque je réalisais ce qui s'était passé, une grande joie inonda mon cœur. J'étais mort, et maintenant j'étais revenu à la vie. En me levant du lit où j'étais allongé, mes premières paroles furent gloire à Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Les gens autour de moi s'étonnaient, se demandant où j'avais connu Jésus. Après ce moment de joie immense, j'ai mis le vœu de me rendre à l'hôpital où j'avais été hospitalisé, et où j'étais décédé. Lorsqu'on apprit ma résurrection, tout le monde a couru pour me voir. J'avais passé plus d'une journée chez les morts. Car j'étais mort la veille vers 10 heures, et j'étais revenu à la vie le lendemain vers 14 heures. On m'apprêtait déjà pour mon enterrement lorsque je revins à la vie. En route vers l'hôpital, tout le monde s'étonnait de ce que je parlais de Jésus Sauveur. Je sentais qu'une force m'entraînait vers l'hôpital. Je ne savais même pas ce que j'allais y faire. Arrivé à l'hôpital, je fus reconnu par les malades comme le décédé qu'on avait emmené la veille. Sans m'occuper de ce qu'ils disaient, je m'écriai à haute voix, Gloire à Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Ces paroles prononcés vers 15 heures dans un hôpital de Yanganibi produisirent un grand miracle. Tous les malades furent guéris. Tous, sans exception. Même ceux qui avaient été opérés dans l'après-midi de ce même jour. Tous furent guéris, et les médecins n'en revenaient pas. L'un d'eux, le docteur Ballot s'approcha d'un ancien malade qu'il avait lui-même opéré dans l'après-midi. Mais, en voyant ce denier sautiller et courir de joie, il crut qu'il était devenu fou, en plus de sa maladie, ou que c'était lui-même qui devenait fou. Pour en avoir le cœur net, il appela un malade et l'obligea à se déshabiller. Ce dernier, sans vergogne, ne se fit pas prier deux fois. Alors le docteur remarqua comment celui qui avait formé le corps de l'homme avec la poussière de la terre savait guérir, lui, Jésus. Il ne restait plus aucune cicatrice ni trace quelconque de la moindre intervention chirurgicale. Pour un miracle, c'en était un. Un vrai, en tout cas. Le médecin ne savait plus que penser ni que dire. Bien sûr, il savait bien définir ce qu'était un miracle, mais il n'en avait jamais palpé un. Ce jour-là, l'occasion lui fut donnée d'en voir un, et il crut. Le soir même, il fut baptisé par immersion au nom de Jésus. Faute de malade, l'hôpital resta vide. Après ce grand miracle, je me souvins de mon compagnon de voyage, celui qui avait pris l'avion. J'exprimai le vœu qu'on m'amène chez lui. Là, je vis que le deuil battait son plein. Je m'approchai de ses proches parents et je leur demandai de m'écouter. Lorsqu'ils me reconnurent, ils se turent tous. Je leur conseillai de ne plus pleurer, mais de se réjouir, puisque leurs parents décédés étaient bien à l'endroit où ils se trouvaient actuellement. Je leur expliquai tout ce qui s'était passé, et comment j'avais eu du mal à faire comprendre aux décédés que nous étions morts. Comment mon compagnon m'avait conseillé de ne pas chercher à connaître les raisons du vacarme qu'ils faisaient. Je leur fis comprendre que les pleurs et les lamentations n'avaient rien à voir avec les morts. Tout ce dont ces derniers avaient besoin, c'était du calme et de la tranquillité. Je leur expliquai aussi comment le grand roi avait envoyé tout un avion pour transporter leurs frères qu'ils pleuraient. Tous me suivirent d'une oreille attentive. Personne n'osa m'interrompre. À la fin de mon récit, personne ne se remit à pleurer. Il était temps d'aller enterrer le corps de mon compagnon. Bien qu'affaibli par la maladie, je transportais aussi le cercueil de mon ami. Je me disais en moi-même, si j'étais encore dans la magie, je ne pourrais pas voir l'esprit de celui-ci. Arrivé au cimetière, il y avait deux trous creusés à même le sol au même endroit. L'un m'était destiné, et l'autre était pour mon compagnon. Nos tombes étaient mitoyennes parce que nous étions décédés le même jour. La vue de ma tombe suscita en moi les mêmes sentiments d'isolement que j'avais ressentis lorsque l'avion avait décollé, emportant mon ami. La fatigue. La faim et le chagrin finirent par briser le peu de force qui me restait encore. Me souvenant du départ de mon compagnon, je pleurai. Pourquoi étais-je revenu à la vie Pour souffrir encore dans ce bas monde Mon organisme avait besoin de beaucoup de repos et de nourriture. Je tombai par manque d'énergie, et je perdis connaissance. Évanoui, on me ramena à la maison. Je repris connaissance en cours de route. Plusieurs jours passèrent. Je retournai à Kizangani. Là-bas, je devins évangéliste. Pour approfondir encore davantage mes connaissances dans les choses de Dieu, je me fis inscrire à l'école biblique que dirigeaient les prêtres norvégiens. Mes parents choisirent une jeune fille en manage pour moi. Puis je fus.